Mais tu t'es habillée tout seule? Oui. Tout seule? Mais Adrienne, mon bébé, ne t'énerve pas. Ça, c'est le haut. Ça, c'est un haut, c'est pas un bas, mon bébé. Mais c'est très bien. C'est très bien, t'as la volonté et tout. C'est très bien, mon fils. Mais ça c'est le haut. Ça, c'est pas le bas. Regarde, ça, il faut l'enlever, mon fils. Enlève-le. Tu vas mettre un short, ça sera plus facile. D'accord? Adrienne, t'as fait des tâches? C'est quoi? C'est de la peinture? Moi, j'ai fait tout et elle va plus dans ma main. Mais je comprends pas. Moi, la main ici. Et sur ta main aussi? Oui. Mais je comprends pas. T'as cru que le t-shirt, c'était la toile, en fait. Fais voir. Waouh. Tu l'as fait tout seul? Maman, ça fait bizarre. Juju, tu l'as fait tout seul? Regarde, il est dans ma main. Hein, Juju, tu l'as fait tout seul, celui-là? Oui, avec papa, il fait tout seul. Ah, waouh. Donc, celui-là, tout seul, et celui-là avec papa. Oh, bravo mon amour. Et s'appelle. Et Juju, tu connais les lettres de ton prénom? C'est quoi ça? A D A U A N A I A A A N A N. Tape là. Les petits poissons dans l'eau nage. Les petits poissons. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. Les petits, les gros nagent comme il faut. Les gros, les petits nagent bien aussi. Les petits poissons dans l'eau nagent. Les petits poissons dans l'eau nagent aussi bien que les gros. 1, 2, 3, 6. Non, 1, 2, 3, 4. Non, regarde, on recommence. 1, 2, 3, 4. Adrienne, on chante les petits poissons. On chante les petits poissons. Dans l'eau, non. Arrête, va le descendre. C'est bien, Julianne, bravo. C'est bien, mon Juju. Attends, faut que j'attrape ton frère. Vous savez que là, vraiment, mon plus grand rêve, c'est que Adrienne soit propre. J'en ai marre de couches, c'est tellement chiant. Depuis qu'on en est sorti avec Julianne et que je remarque le confort que c'est de ne plus avoir de couches à gérer. Maman, la balle. Là, je vous jure, mon plus grand rêve, c'est qu'il n'y ait plus de couches, j'en fais plus vivement, mais papa. Il y a que Adrienne et papa qu'on gagne là. Et ce matin, on a gagné avec maman et moi. Ouais, chacun son tour.
que je peux vous dire que j'ai l'impression que c'est pas prêt d'arriver. Hein. Bon, en même temps, faut pas être trop exigeant non plus. Adrien, il aura 2 ans et demi mi-août. On en est loin. On est loin de ses 2 ans et demi, donc faut pas être trop exigeant non plus. Julien a été propre, je crois, mais vraiment un jour avant ses 3 ans. Vraiment pile 1 ou 2 jours avant ses 3 ans, il a été propre. Il y a eu le déclic d'un coup. Donc je vais pas trop en demander non plus à Adrien. Comme je vous ai dit, il a 2 ans et demi mi-août, donc on n'y est pas. Donc voilà, faut pas lui mettre la pression et tout, mais pff, qu'est-ce que j'ai hâte. Je vous jure, j'en ai marre, les couches d'eau, les couches, nanana. En plus, Adrien, il déteste qu'on le change, il déteste qu'on le lave, enfin, donc à chaque fois, c'est un combat pour lui mettre la couche, pour lui enlever la couche, nanana. Bref, quand il a fait caca, on lui dit, viens, on va changer la couche, il se bat pour pas qu'on lui change la couche, enfin, vraiment, ouais, non, j'ai hâte. Le confort que c'est avec Julien, c'est, je crois qu'en fait, tant qu'on ne le vit pas, en tant que parent, tant qu'on n'a pas un enfant qui est propre, qui va aux toilettes, qui, voilà, je pense qu'on ne se rend même pas compte à quel point c'est un confort de ouf, à quel point c'est magique et ça change tout, et encore plus en vacances avec les couches d'eau, là, c'est, j'ai hâte, je vous jure, j'ai hâte. Adrien, les petits poissons, nage, les petits poissons dans l'eau, nage aussi bien que les gros, les petits, nage bien aussi, les petits, les gros, nage comme il faut, les petits poissons dans l'eau, nage, les petits poissons dans l'eau, nage aussi bien que les gros. E adesso fortissimissimo tutti insieme 1, 2, 3 DJ Mickey Mouse. And now all together very loud 1, 2, 3 DJ Mickey Mouse. On va marcher, Adrien. On va marcher. On va marcher, je vous donne la main, d'accord? On donne la main. Les bras, c'est que quand on est fatigué. Le soir. On donne la main, Adrien, aussi? C'est ça qui fait. Non, t'es pas fatigué, on vient de se réveiller. Et les garçons, je vais vous donner la main, d'accord?